retour en studio, François Melançon, dans le cadre de la 49e édition du tournoi national Bantam. J'ai le plaisir, malgré la circonstance, de parler à l'entraîneur, l'assistant-entraîneur du Blue Devils de Kirkland Lake, Denis Breen. Bonjour, Denis. Bonjour. Denis, vous venez de perdre face à la Nation Cree par la marque de 7-3, ce qui fait en sorte que vous êtes éliminé maintenant. Vous êtes éliminé maintenant? Oui, on est éliminé. En fin de compte, on a perdu 7-3. C'était une bonne game. Les jeunes étaient fatigués. Ouais. C'était une longue journée hier. On a fini de jouer à 11h30 okay, ce soir. Ouais. Le matin, ils étaient fatigués. Ça a paru un peu. Revenons sur le match d'hier, Denis, le match d'ouverture. Les jeunes, vos jeunes étaient là pour devant la foule, un peu intimidante. Est-ce qu'ils étaient nerveux, les joueurs? Oh, les jeunes étaient nerveux. Ils disaient que, on leur disait qu'il y avait un spotlight qui était pour aller chaque joueur. Oui, puis ils étaient tous nerveux. Puis, ils ont fait bon. Donc, c'était un beau spectacle. C'était un beau spectacle, oui. Il y avait beaucoup de personnes. La plus grosse crowd qu'on a vu, ça fait longtemps. Ouais, donc, dans un tournoi, ouais. Ici à la salle, c'est la renommée du vendredi soir. Oui, ça a bien organisé. On a eu du fun ici. Puis les trois matchs ont été des défaites ou vous avez gagné hier matin? Alors, on a perdu le premier match vendredi matin. Oui. Je pense à 3-0. Puis on a eu un tie avec la SAR hier. Puis on a perdu 7-3 ici. Puis durant la saison, vous avez fait d'autres tournois à date. Oui. Comment ça a été dans d'autres tournois? Le tournoi de Rouen, on a gagné. Ah oui? Oui, puis on a joué un tournoi à Nouveau-Scute, puis on a gagné celui-là aussi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici à la SAR pour que les trois défaites? C'est les jeunes. On manquait trois jeunes, puis un gardien but cette semaine. Notre gardien de but qui a joué vendredi matin, il ne pouvait pas le faire cette fin de semaine. Puis il y avait trois jeunes qui avaient d'autres affaires à faire cette fin de semaine. Il ne pouvait pas venir. Il n'était pas disponible. Bien, on vous remercie beaucoup, Denis, quand même, de vous être présenté ici. On était content de vous voir, nous. Puis on espère que vous avez malgré tout passé un beau séjour à la SAR. Puis on vous souhaite la bienvenue l'an prochain, le 50e. Ça va être encore plus gros. On va venir. Oui, on va vous souhaiter. Bien, merci beaucoup. Merci encore. Beaucoup. Merci. Donc, François Melançon, directement du Colisée de la Sarre.